Du côté des valeurs à ne pas perdre de vue à Wall Street ce jeudi, le secteur de la distribution est sous le feu des projecteurs avec la publication des ventes pour le mois de mars. Et dans l'ensemble, elles sont meilleures que prévues. Les analystes notent que les consommateurs ont été motivés par l'arrivée précoce du printemps. Le géant du discount Target a ainsi publié des ventes en hausse de 7,3% contre un consensus de 5,4%. La compagnie en a profité pour relever ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre à 1,10 $ par action. Le titre Target progresse de 1% dans les premiers échanges. Des ventes meilleures que prévues également pour le numéro 1 américain de l'habillement Gap. Elles sont en hausse de 8% contre un consensus de 5%. Le titre Gap progresse de 0,4%. Et enfin, Macy's a également publié des ventes plus importantes que prévues en hausse de 7,3%. Le groupe se montre toutefois prudent concernant ses prévisions pour avril. Le titre Macy's progresse modestement de 0,2% dans les premiers échanges à la bourse de New York.